Petite intro spéciale avant la vidéo d'aujourd'hui. Là, elle sera peut-être un peu plus courte que d'habitude. Hein. Il y a eu un événement un peu spécial qui s'est passé, un imprévu. Artistique. Donc du coup, ça va être un peu plus court. J'ai pas trop la motivation de le faire, mais je vais le faire quand même. Et voilà. Je vais laisser mes camarades en parler. Alors voilà, en fait, on s'est réveillé ce matin avec des dessins de pénis sur la voiture au marqueur, donc voilà, un peu compliqué à enlever. On a perdu du coup un petit équipage qui s'est fait renvoyer. Ils ont fait ça sur plusieurs voitures au final, dont celle des orgas, donc c'est pas passé. Voilà, donc pour résumer, on s'est fait taguer la voiture, donc on a perdu du temps le matin, on a cherché à la nettoyer, on a cherché les coupables, on les a trouvés, donc voilà, donc la journée, on a beaucoup roulé, embouteillage, très long le Subway pour manger. Donc voilà, ma journée. Oui, on mange local. Voilà, on mange local. très. Ouais, beaucoup d'embouteillages ouais. sur le la route du Transa. Bon, ok, voilà. Voilà. La fatigue est là, les mots viennent plus. Mais on a quand même réussi à visiter un petit château, hein, Pauline. Un château de Dracula. Donc on a quand même fait quelque chose, mais on est arrivé tard, on a mangé tard, on n'a pas pu prendre de douche d'ailleurs, ça doit se sentir sur la vidéo sûrement. Et on a, pour couronner le tout, nos petits déjeuners sont restés enfermés. Et ça ouvre pas avant 9h et on sera déjà parti. Donc voilà. Mais bon, l'aventure continue. Show must go on. Bonne nuit. Bonne nuit. Tout à fait illégal dans le château de Dracula qu'on a voulu voir, qui est 1h30 du bivouac. Et là, on cherche un moyen d'accéder à la terrasse. C'est juste que c'est bloqué, quoi. T'as peur, Pauline? Non. Je suis sûr que t'as un petit peu peur. Non. Tu peux le dire? Non. Moi, si j'étais toi, j'aurais peur. Oui. C'est ouf toutes les caisses qu'il y a. En tout cas, ici, il n'y a pas d'accès. Je crois que je l'ai trouvé.
Non, l'accès à la terrasse. Pas mal, hein? T'es de camper là, toi? Un petit hamac pendu en plein milieu. Bon, bah, avec Mathieu, on n'a pas pu s'empêcher de faire une petite exploration, enfin, surtout lui. Et du coup, on a visité le château de Dracula qui n'est pas fait pour être visité. C'est un hôtel-restaurant en fait. Et puis il y a des portes qui permettent d'accéder à des endroits qui sont normalement interdits. Et ça fait comme un film d'horreur, c'est-à-dire qu'on a perdu Pauline, on est prêt à partir, on est resté coincé à un moment donné, une porte s'est fermée. Donc Mathieu est parti chercher Pauline. On n'a plus de réseau, donc j'arrive pas à joindre Pauline, ni Mathieu d'ailleurs. Il commence à faire nuit. Donc le scénario film d'horreur il commence bien là. Il manquerait plus qu'on tombe en panne et qu'on démarre plus. Bah j'ai pas les clés. Ils sont partis avec les clés donc ça commence bien. Petite rectification, finalement les images, c'est pas celle du château de Dracula, mais celle d'un château de Templiers. La petite erreur vient du fait que dans le bouquin, voilà, ça parle de la Roumanie, du château de Dracula. Et Popo a glissé l'info à David. Quand elle a remarqué l'erreur, elle n'en a pas parlé, histoire d'être sûr qu'on y aille, et de ne pas démotiver David. Et voilà!